département de l'Orne était à l'honneur de cette cinquième étape du Tour de Normandie, avec une étape 100% ornaise entre Alençon et Bagnoles de l'Orne. Une antépénultième étape marquée par le soleil et un rythme toujours aussi imposant imprégné par les coureurs de cette 39e édition. Mais il a fallu attendre le 50e kilomètre pour voir la bonne échappée du jour sortir du peloton. Une échappée composée de 6 hommes, parmi lesquels deux coureurs français, Maël Boivin ainsi que Clément Saint-Martin, le Britannique Jonathan McEvoy, l'Américain Justin Oyon, mais également le Néerlandais Kevin Inkelaar et le champion national de Hongrie, Barnabás Pek. 6 hommes qui ont compté jusqu'à 2 minutes 30 d'avance à l'entrée du circuit final. Le peloton s'est rapproché, mais c'est finalement dans les ultimes kilomètres le champion national de Hongrie qui a réussi à porter l'estocade. Il attaque seul sur le circuit d'arrivée et s'impose avec seulement 10 mètres d'avance sur le peloton, réglé par son coéquipier Alberto Dainese. Un coup de maître pour le champion de Hongrie, un maillot jaune qui reste sur les épaules au terme de la 5e étape, sur les épaules du Norvégien Ole Forfang.